الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله Après avoir fait une remercie Allah رب العالمين le créateur sublime l'unique et vraie divinité qui mérite tout ibadat et nous finavoui salat et salam l'eau sur dernier messager Muhammad alayhi salatu wassalam nous remercie Allah Rabbul Alamin pour tout ce bon faveur qu'il est infini faire au nom pour tout ce bon faveur qu'il peut faire au nom et pour tout ce bon faveur qu'il peut faire au nom jusqu'à qui nous joigne l'amour. Alhamdulillah, parmi bonne faveur Allah Rabbul Alamin, et nous tous, nous souhaitons ça quelque chose-là. Peu importe qui s'en a nous dit, peu importe à qui religion un dimoun lui adhère à ça, peu importe son niveau d'intelligence, peu importe son race, son couleur, ce statut social, c'est le désir ardent pour chacun parmi les musulmans et la race humaine en entier pour jouir une petite chose qui appelle bien-être, pour jouir une petite chose qui appelle vivre en paix, vivre en sécurité, vivre avec la paix. Et nous tous, nous pouvons souhaiter sa plus grande la paix. S'applique en sécurité les jours du Qiyam. Alors, si mon prahoum me met tout des routes en bas soleil, moi j'ai vous faire la qui attend à partir du 8e matin et n'y a qui la porte pour ouvrir ou soit pour commencer à travailler là. On a pour des routes en bas soleil là. Et nous tous, nous pas souhaitons pas qu'ils soient pareils. Nous envie, comment dire, nous venir, nous sommes les premiers dans la quai. Et nous gagnons le service qui nous peut attendre en premier de retourner dans la case. Alors, mon frère et ma soeur, un parmi les petites choses qui nous banalisent les jours du Qiyama, est un groupe de monde qui est là pour retourner. Pour retourner pour rentrer à Djanna. Vous gagnez Djanna, c'est moi pour retourner. Alors, pas pour les mal. Et nous allons masser. Quand nous faisons un constat comme ça, un ou parmi les catégories du monde qui est là pour retourner pour rentrer à Djanna les jours du Qiyama, c'est Ban qui vient du Jum'a et se gazent loin avec Mimbar. Ban qui vient du Jum'a et se gazent loin avec Mimbar. Alors, ça, c'est une catégorie du monde. Nous faisons l'appel avec mon frère Kosti. Kosti, mon frère. Pas besoin d'hésiter, Kosti. Un ou parmi les catégories du monde qui peut être retardé pour rentrer à Djanna. Les jours du Qiyama, c'est Ban qui, quand vient du Jum'a, se gâte à l'écart, se gâte loin avec Mimbar. Alhamdulillah, nous tous nous pérons de la paix, sécurité, tranquillité.
Donc les jours du Qiyama s'appliqueront en sécurité et la paix qui nous perdent. Mais avant d'arriver jusqu'à là-bas, mon frère et ma soeur, ça c'est informé par un message très important de l'islam. Comment un musulman, les contribuer pour la paix régner dans ce pays, pour la paix régner dans l'environnement, dans la société, dans la place qu'il peut vivre. Et ça, c'est un parmi les messages principaux de l'islam. L'islam, les papes disent, enseigne-nous, mon frère et ma soeur, pour nous redonner la paix et sécurité dans Dunya, mais aussi dans Khabar, et aussi dans Akhirat. Et qui rôle un musulman? Qui rôle un musulman qui supporte des contributions, mon frère et ma soeur? Qui rôle les visages au Saladiyala? Et surtout nous, dans le contexte qui nous vit, en tant qu'une minorité islamique, dans un pays où il y a toutes sortes de religions, nous avons toutes sortes de cultures, alors, en tant que musulmans, qui nous considérons comme une minorité parmi autant de religions, qui nous rôle, qui contribution nous permet pour que la paix règne dans nos pays, ou soit nous fait participer dans une petite chose. Ou soit mon gazé dans une petite chose qui ça pour représente la ruine et la destruction pour moi en tant que musulman et la paix et tranquillité qui peut régner dans mon pays. Alors ce que les frères en islam et c'est en islam, un djimoun il n'est pas capable d'égoïste. Un djimoun il n'est pas capable de guider dans ce quatre coins miraille, dans ce lacaz, les trouver en sécurité, les trouver il a tout confort, tout luxe, il peut arriver des hauts, ça pas mon problème ça. L'islam, il condamne sa mentalité-là. L'islam, il condamne l'égoïsme. N'importe qui s'en a qui vient apprendre, qui comprend l'islam, il faut connaître que l'islam, il condamne l'égoïsme. L'islam, il condamne l'égoïsme. Et il y a enseigné nous, mon frère et ma soeur, pour compter le bien et la prospérité. Pour nous en premier et pour tout le monde sans distinction, couleur, race et famille. Et c'est quand même religion. Alors, rôle d'un musulman qui peut vivre dans un pays pareil comme à Maurice. Nous connaissons très bien ces derniers temps. Qui qualité de l'événement nous fait témoigner? Qui qualité de commentaire nous tendait? Qui quantité de monde Allah connaît? Qui savent de monde là ça? Pour tous sa tissu social là. Pour anime sa différence raciale là. Alors, toi en tant que musulman, qui te contribution? Qui te porte des contributions pour faire la paix continuer régner, pour faire sécurité continuer régner dans ce pays-là. Parce qu'il va faire dévancer un musulman qui peut vivre dans un pays pareil. Alors, une fois qu'il y a un bouleversement, dans ce pays-là, alors, connaît ton la vie pour chambouler. Sa sécurité qui te fait trouver, peut jouer dans ta case-là et pour rester dans ta case. Et peut-être, un jour qui vous suit, ça si pour envoler, ça si pour disparaître. Alors, en vérité, contribuer pour le bien-être de nos pays, en tant que musulman mauricien, qui peut vivre dans une minorité islamique, alors même qui sait peut souhaiter le bien pour les autres, mais avant ça, nous peut souhaiter le bien pour nous. C'est moi, on permet de m'obriquer, on permet de m'obord, on peut faire mon port de travail. Pour sécurité continue régner dans mon pays. En premier, moi qui vous profitez avec ça. Parce que c'est lui qui voulait amener la vie tranquille et agréable, comment il peut faire ça si dans le pays qu'il peut vivre, il a la paix, il a la stabilité, il a la tranquillité, il a la sécurité. C'est lui qui a envie d'amener la vie tranquille. Un la vie qui remplit avec sécurité, qui prend tranquillité et la paix. Juste pour lui dans ce lacard, quand dans le pays, il a la stabilité. Qui la paix? Qui sécurité? Qui tranquillité? Qui prospérité, mon frère et ma soeur? Alors, si comment dire, si existait un pays comme ça, qui en plein guerre nous dit, et combien de nos jours? Combien de pays, 24 le 24, peut témoigner la guerre civile, peut être bombardé, matin jusqu'à soir? Alors, si existait un pays qui est en plein guerre civile, et moi, en tant que citoyen de ce pays-là, mon père Amine, mon la vie tranquille dans mon coin, dans mon lacave, nous sommes capables de dire que le bien-être de nos pays n'est pas concerné.
Je suis capable de dire qu'il vient de nous pays, il n'a pas pensé à nous. Ils font partie de nos dînes en tant qu'une minorité. Ils font partie de l'enseignement de l'islam. Est-ce qu'ils contactaient, qu'étaient liés à vous trouver dans un pays qui a la guerre civile en ce moment? Que le banan a coûté tiré en ce moment. Est-ce que du monde peut vivre en sécurité? Est-ce que du monde peut vivre avec tranquillité, bonne frère et bonne sœur? Alors comment nous capables de dire pour nous les plus possibles? Comment nous capables de dire pour nous les plus possibles? Et pas oublier une fois qu'Allah arrache sa faveur là. Allah enlève sa faveur qui appelle la paix, qui appelle tranquillité, qui appelle sécurité. Là où vous connaissez qui appelle sécurité. Là où vous connaissez qui appelle la paix. Là où vous connaissez qui appelle prospérité, bonne frère et bonne sœur. Alors si un tout nous, musulmans mauriciens, qui peuvent vivre dans un pays pareil, côté dans plusieurs religions, et dans plusieurs cultures, alors prendre doublement précaution. Contribuer pleinement pour que la paix continue de régner dans nos sociétés, pour la paix continue de régner dans nos pays, bonne frère et bonne sœur. Et c'est nous dire que c'est nous, communauté, qui prie meilleur. Ça, pas nous qui nous déclarons ça. Pas nous qui nous donnons sa déclaration-là. Allah nous donne sa déclaration-là. Allah dit à nous sacrifices à Kuntum Khaira Umma, nous meilleures communautés. Comment se fait-il quand nous meilleures communautés, par révélation divine, fin confirmée, les autres communautés peuvent faire plus d'efforts pour la paix, sécurité, prospérité, régner dans sa pays. La honte, pas de frère, pas de sœur, parce que nous la meilleure dîme, nous la meilleure religion. Alors toi que tu faisais plus, le front line, comment le dire? Toi que tu faisais plus d'efforts aux musulmans pour la paix, sécurité, régner dans sa pays-là. Et non plus, toi aussi, tu viens à l'indifféra. Et non plus, toi aussi, toi aussi, tu insultes à blessure-là. Alors, prends beaucoup de précautions, ma frère et ma soeur. Nous, médias communautés, Allahu Rabbul Alamin, peut dire ça. Nous sommes fiers de ça, toutes choses. L'islam, c'est meilleure religion. Nous, médias communautés, ma frère et ma soeur. Alors, viens, médias. Vine parmi les meilleurs dans contribuer pour la paix, sécurité, prospérité, pour les continuer à régner dans ce pays-là. Alors, l'islam lui prône la paix. Nous j'ai dit haut et faux. L'islam lui prône la paix. Et combien de fois nous venons dire, et nous redisons, jamais dis l'islam. Jamais disent l'islam par comportement musulman. Jamais disent l'islam par l'habillement des musulmans. Jamais disent l'islam par façon posée des musulmans. Si son façon posée, son habillement, son comportement est en conformité avec la révélation divine, ça c'est l'islam. Et l'islam c'est la révélation divine. L'islam c'est le Coran. L'islam c'est les traditions prophétiques authentiques, ça c'est l'islam. Ça, c'est l'islam, ma frère et ma sœur. Alors, qui c'est-il, ma frère? Si, comment dire, on n'a pas gagné de tracas, la paix dans mon pays, moi, pour vivre dans mon coin, moi tranquille. Pour vivre dans mon coin, moi tranquille. Mais connais, sa sécurité, sa prospérité, sa la paix qui nous peut jouir, l'éphémère, ça. Il n'a pas pour durer. Il n'a pas pour durer un petit moment pour disparaître. C'est quand même si tes enfants sont malades, tu ne vas pas sortir de l'hôpital. Un bout de pain, tu pourras dans la cité d'ambulance et tu n'as pas pour capable. C'est quand même si tu toilettes en niveau de la case. Toilette, tu ne vas pas capable. Toilette, tu n'as pas pour capable. Si on n'a pas contribué, on n'a pas fait des choses pour la paix et la tranquillité régner dans vos pays, en tant qu'une minorité islamique d'Amaurice, en tant que musulman, qui est civilisé, qui est discipliné, qui est éduqué, parmi ma non-musulmans, parmi ma les autres religions. Alors, voici certaines preuves comment l'islam fait mettre l'emphase. L'islam nous dit, dit Rabbul Alamin, pas l'islam des mal musulmans. Pas l'islam qui va musulmans pratiquer. Si je peux pratiquer l'islam de Rabbul Alamin, je dis, venez, on met tout le monde la tête. Venez, on met tout le monde la tête. Alors, voici Rabbul Alamin. À travers ma preuve, ma frère, ma sœur, comment l'islam fait mettre en phase de la paix et la sécurité dans le pays qui nous peut vivre, dans la situation qui nous peut vivre, dans le contexte qui nous peut vivre, ma frère, ma sœur. Alors, ce premier point, connaître la paix, c'est un grand faveur depuis Allah. C'est quelque chose qu'on appelle la paix. Vivre en sécurité, pour sortir n'importe qui l'air. N'importe qui l'air. On vient à la Ségaz, on va à la Ségaz, on finit pour ça dans la boutique mobile. On vient à la boulangerie mobile,
Quand on vient à l'hôpital, quand on vient à le dispensaire, facile, vous pouvez aller, vous pouvez venir en sécurité. Alors, ce qu'on dit, ça c'est une faveur. Et c'est un parmi les plus grands faveurs, Allah subhanahu wa ta'ala. Vous faites nous ressentir, valer de ce qui nous fait perdre. Vous faites nous ressentir, valer de ce qui nous fait perdre. Et pour que nos comportements, dans un moment difficile, Allah fait une décret pour remplir nos la vie avec bandis. Ça c'est façon de faire d'Allah. Pour que dit comment on réagit. Comment on comporte vous dans le moment qu'Allah fait tis avec nous. Alors, un point de tis qu'Allah. L'Ifin informe nous qu'il est capable de faire ça avec nous, c'est reste la vie. Enlève la vie. Enlève la sécurité, mon frère et ma soeur, dans lesquelles nous pouvons vivre. Il dit Voilà l'abluwannakum bi shay'in min al-khawf, wal-jou'i, wa naqsin min al-amwali wal-anfusi, wa thamarat, wa bashir al-sabirin. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون التي certainement nous pouvons tester autres ils peuvent venir comme un test si nous n'avons pas connu gérer sa faveur ils peuvent venir comme un test de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala certainement nous pouvons tester autres avec un petit peu la frayeur avec la faim avec diminution de richesse la vie c'est-à-dire la peau enlève certaines parmi nous. Et ben fruit vous diminue, donne la bonne nouvelle à qui s'en a, avant de s'environ. Avant qu'il patiente, avant qu'il persévère, ben qui quand un malheur frappe zut, se tient nous appartenir à Allah et c'est réalité qui nous pourrait donner. Alors dans ça, il y a le Coran là, nous avons beaucoup de leçons à tirer. Et nous beaucoup de leçons à faire, mon Seigneur. Bon, arrache la paix, ça c'est un premier test qu'Allah fait mentionner. Parce qu'il y a une faveur, ça. Si nous n'avons pas connu, préserve sa faveur là, attention à la race. Et une fois qu'il y a race sa faveur là, oublie nos situations. Oublie nous la vie, comment elle basculer. Ou trouve nous la vie, comment elle chambouler. Comment elle vient en bas là, ou en fait. Et alors, si nous comprenons pas ça, que vraiment la paix c'est une faveur de la part d'Allah. Et une faveur énorme. Une faveur énorme de la part d'Allah. Quand enfin nous n'avons pas réalisé ce valier, un bon pour faire commence. Il y a un bon pour causer. Et un plaisir là-dedans pour dire ce qui vient dans la bouche. Sans nous pèse le mot. Sans nous pèse sa parole-là. Sans que ce pour et ce contre. Qui peut faire ça? Et pour contribuer dans la paix régnée. Et pour contribuer dans la paix et sécurité régnée dans vos pays. Ou soit pour enflammer, dis-je-là. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais informe-nous que la paix, c'est un grand faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il nous peut souhaiter qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse la guerre dans nos pays? Est-ce qu'il nous peut souhaiter ça qui est aux amas de faire passer? Pour nous plaire là, nous pouvons encore valer la paix. Et plusieurs fois nous finir ça. Plusieurs fois nous finir ça, aujourd'hui nous retiens. Tu n'as pas qu'on valer les yeux auditoires. Je dis ça avec nous là. Et qui vous tient travailler ici. Je dis ça, tu es un peu de monde qui se lamène, se tient coupé dans l'accident. Et qui vous tient pas, qui veut dire un lamène. Même les prothèses, tout. Même les prothèses, lui qui vous dit à valer un ami. Al-Diran, ça dit mon qui est malade là. Lui qui vous dit à vous, c'est quoi la santé? Al-Fan est tout l'hôpital, on va la ciser, même pas la famille malade. Al-Fan est tout. À la ciser dans l'hôpital, qui vous dit mon malade. Alors, quand Allah a rassemblé, les là nous pouvons valer de sa famille là. Mais tant qu'il est là, nous n'avons pas contre ce valeur. Tant qu'il est là, nous n'avons pas contre son importance. Donc, qui nous peut attendre? Nous peut attendre Allah a rassemblé. Les langues pour qu'on se valait, les langues pour réaliser ce valet, donc chacun qui fait ses défauts personnels, individuels ou même collectifs, pas très avancés, afin de nous attirer satisfaction à Allah et les protéger contre ce colère. Parce que l'enlèvement de la sécurité, la paix, la prospérité, bonheur, c'est colère à Allah. Il pas enlever comme ça, même ça. Faudrait nous transgresser toutes limites. Faudrait nous transgresser tout notre goal. Nous dépassons toutes nos limites. Allah en colère, il arrache sa faveur là. Alors, la paix c'est une faveur inestimable. On n'a pas pour capable. On n'a pas pour capable d'évaluer ce valet. Nous n'avons pas pour capable de dire oui, il faut telle petite chose. L'inestimable, ça va faire l'absurde. En réalité, la paix, il y a une petite chose qui sent ça. Rien ne peut l'avaler. Non, il ne peut l'avaler. Ou Audi, ou soit au BMW, ou soit au Mercedes, ou dans au garage. Si tu as la paix, sécurité, qui est pour nous service? Qui service tu pourras nous? Non, ni peine à valeur. Non, ni peine à valeur, ma frère, ma sœur. Ni richesse, ni manger quoi. C'est quand même sommeil, il ne va pas gagner. Oui? C'est quand même sommeil, il ne va pas gagner, ma frère, ma sœur. Allez, dites dans votre pays qui est dans la guerre.
Aller dans le pays qui est dans la guerre civile, et assiser en bas de la tente. La case finit de craser, la tente là c'est capable de boum. Ça c'est le palais, la paix. Et ça montre nous comment il estime sa faveur la bande frère Ebenezer. Alors, non, ni pas pour une avalée. Jusqu'à même nous dire sa toilette qui trouve en dehors la case, là-bas c'est pas pour avaler. Là-bas aussi on n'a pas pour avaler, bande frère Ebenezer. Alors c'est à cause ça qu'il est prophète dans l'histoire de la Prophète Salam qui fait nous comprendre qui richesse des faveurs la paix, il y a une richesse inestimable. Sa richesse qu'appelle la paix, tranquillité, c'est une richesse inestimable, mon frère et ma sœur. Rasulullah alayhi salatu wassalam, il dit dans le hadith, Man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi. C'est lui qui le matin, il fait une levée. Quand il est levé, il y a une bonne santé. Il y a une bonne et parfaite santé. Numéro 1. Aminan fi sardihi. Et son nafs en paix. Les papitans avaient dédié LCS qui traversaient puis leur bombe. Les papitans ne sont pas mitraillés de l'autre côté. Les papitans sont coups de balle par ici. Les dénivés ont pris ma frère et ma soeur. Et il y a sa nourriture dans la case. Trois familles. Première famille, les dénivés en bonne santé. Deuxième famille, il y a un peu mal fait de la soeur. Et troisième famille, il y a sa nourriture côté. Il y a comme si tout n'y a au complet une rassemblée côté. Dounia, au complet, fin rassemblé côté. Qui nous bizarre puisque ça, comme faveur. Parmi mal faveur, on levé grand matin en bonne santé. Alhamdulillah. On levé frère en islam, et sans islam, ou pays en sécurité, ou l'endroit en sécurité, ou même en sécurité. On levé frère en islam, et sans islam, ou là où nous retient dans la case. Qui va plus grand faveur en Colibatan après l'islam? Qui va plus grand faveur? Mais là, tout le monde va mettre à parler de ça, va plus faveur là. Et dans le monde, comment dire qu'il faut gratter les bureaux de Sikane. Alors, c'est pas frère et ma soeur, il est inestimable sa faveur là. La paix en islam, c'est qu'il y a l'iman, il y a un élément sans lequel la nourriture pas pour la valeur. La nourriture pas pour la valeur. Et son absence capable d'équiper dans le monde. Son absence capable d'équiper dans le monde. Vous connaissez qui me retient d'équiper dans le monde? Et dans le monde, Vanseline. Allez, 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 votre pays qui finit la guerre civile. Allez, votre organisation, comment profite de cette occasion. Comme dit mon enfant, ce dîme, à cause d'un passant, à cause d'un petit pain, à cause d'un petit délou. Comme dit mon enfant, ce dîme, mon frère, mon sœur. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit concernant Ibrahim alayhi salam, wa yitala Ibrahim, Rabbi ja'al hadha al-barada amina, wa jnubni wa baniya an na'buda l'asnam. Un ayat Quran. Nous, dans le contexte, il a dit l'air pour assister pour étudier. Ibrahim peut dire, Ibrahim al-Khalil, il peut dire à Allah, wa idqala Ibrahim, Rabbi ja'al hadha al-balada amina. Oh Allah, fais ça la villa, fais ça l'endroit, viens en place pour être dans la paix. Qui fait? Wa junubli wa baniya an na'bud al-aslam, et sauve-moi, et mon mal enfant, de l'adoration de ma idole. Dans la paix, sécurité enlevée, ma frère et ma sœur, par rapport à une première chose qui dit mon tombe là-dedans, ce fan se dîne, à cause de ce bizarre sécurité, ce bizarre la paix, ce bizarre tranquillité. Alors ça montre nous comment inestimable sa faveur à la ma frère et ma sœur, une fois qu'il est Allah subhanahu wa ta'ala enlevé, alors non, il n'y a pas une avarie. Non, il n'y a pas plus d'avalier. Si c'est quand même un démon qui dévie, Allah subhanahu wa ta'ala dit toujours concernant Ibrahim. Et rappelle quand Ibrahim te dit Rabbi ja'al hadha baladan amina. Oh Allah, fais ça l'endroit là. Fais ça pays là, minan pays, que de la paix réunie. Warzuq ahlahu minan thamarat. Warzuq ahlahu minan thamarat. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Alors donne la nourriture, donne nourrir man habitant les salons endroits là. Ensuite, il dit, ben, qui finit iman, pour ben là, et dans les derniers jours, parce qu'il n'y a pas pour y aller à la paix, pas pour y aller à manger, pas pour y aller à nourriture, alors pour beaucoup de choses, attaché avec ça, qui chose, il y a une sécurité et la paix, comme le corps de l'Ihada, astaghfirullah, alayhi wa lakum, alayhi wa lakum, alayhi wa lakum, alayhi wa lakum, astaghfirullah, alayhi wa lakum, alayhi wa lakum, alayhi wa lakum. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الحمد لله
jusqu'à aller et nous demande Allah pour faire les continuer, maintenir la paix. Nous besoin la paix, nous besoin de sécurité, nous besoin de prospérité, nous avons paix dans nos pays, alhamdulillah. Mais seulement si nous n'avons pas montré nos reconnaissances envers Allah subhanahu wa ta'ala, alors ce n'est pas le frère et il n'a pas le bon. Ce résultat est catastrophique. Alors la paix, c'est un faveur qui exige une grande reconnaissance de nos pauvres vis-à-vis de Rabbul Alameen. Comment vous appréciez ça, la paix là? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans surah 29, « Awalam yarau anna ja'alna haraman amina » Est-ce qu'ils vont trouver sa haram là? Comment on sécurise lui? Comment il y a en paix? Comment il y a la paix là-bas? وَيُتَغَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ Mais alentour Al-Haram al-Makki, en dehors de cet endroit-là, il y a la sécurité, il y a la paix dans beaucoup de places. Qui l'époque Allah dit ça? Qui l'époque va faire évancer? مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِ الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ Est-ce qu'ils ont permis l'Iman de fausseté? وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ Et ils ont pu faire ouf! Je n'ai pas reconnaissance envers Allah se met à faire, c'est ça qu'il veut faire aujourd'hui. C'est ça, une menace. Qui est pour pas faire passer? Il est al-haram al-maki. Il est pour préserver par Allah. Il a la paix, la tranquillité, la sécurité. Mais en dehors de sa paix, en dehors de sa la paix. Alors, les dimans, une grande reconnaissance de nous pas vis-à-vis de Rabbul Alameen. Vive dans l'adoration Allah. Vive dans l'ibadat Allah pour ma bise. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ Allah dit Ado propriétaire de sa case là Ado Rabbul Kaaba C'est lui qui fait nourrir et il fait sécuriser, il fait la paix. Alors la paix et tranquillité, il n'a pas pour régner, il n'a pas pour continuer, ma frère, ma soeur, si nous n'avons pas vivre dans l'adoration Allah pour ma misère. Si nous n'avons pas vivre dans l'adoration Allah subhanahu wa ta'ala pour ma misère, alors l'islam il condamne sa petite chose qui appelle terroriste du monde. Faire du monde qui est pire. L'islam, ça veut dire faire du monde qui est pire. L'islam est la mort. Ça veut dire qu'il y a de la mort qui est pire. Ça veut dire qu'il y a de djibab qui est pire. Ça veut dire qu'il y a de l'azam qui est pire dans l'islam. Aujourd'hui, nos comportements font du monde qui est pire. Nos façons causées font du monde qui est pire. Dans l'islam, c'est la religion qui prône la paix et qui condamne les terroristes haut et faux. Dans tout ce forme, dans tout ce grandeur, dans tout ce couleur, dans tout ce long. Ça, c'est pas l'islam, ça, dans le frère. Rapporté par Abdul Rahman ibn Abiyar, il dit c'est un compagnon. Et ça, c'est un hadith. Oban qui permet tâche l'islam. Qu'il soit musulman et non musulman. Écoute-lui bien. Ça, c'est nous l'enseignement, mon frère Bansir. C'est un compagnon de Rasulullah. Il raconte nous qu'il va là, il va voyager ensemble avec Rasulullah. Un point, il va là, il va dormir. Ce qui est un voyage. Un point, il va dormir, mon frère Bansir. Et c'est un point, il va là, il va lever, souffler. Il est gardé. Et un, il prend, il va cacher lui. Souffler. Il prend, il va cacher lui. Nous ne pouvons pas tenir. Quand il finit de lever, ma frère, il va se dire, alors il finit de payer, il finit de rentrer dans le tracas, dans le stress, toutes nos flèches finales. Toutes nos flèches finales. Ensuite, ben, il finit de prier à haute voix, les bons finissent de demander, qui fait ce périer? Qui fait ce périer? Ben, il finit de dire, non, il y a Rasulallah, excepté que nous ne battons dans l'île, nous prenons nos flèches, nous finissons de cacher, et alors il finit de payer. Et alors, il finit de payer. Rasulallah, il dit, salat au salam, il dit, il n'a pas permis qu'un musulman fasse un musulman gain pire. Il n'a pas permis qu'un musulman fasse un musulman gain pire. Mon soutien allait à la rampe, camarade, on est caché de son côté souillé. Qu'est-ce qu'il veut dire? Après, moi, je vous donne pas mon témoin. Haram. C'est ça l'islam condamné. C'est ça l'islam condamné, mon frère, ma soeur. Maintenant, ma théorie qui nous fait trouver. Ma façon causée qui nous fait trouver. Ma incitation qui nous fait trouver. Mais dans tout l'islam condamné. Mais dans tout l'islam, la paix n'a pas qui a fait avec une petite chose pareille. Cela t'es un musulman ou bien non. Et si tout s'il est un musulman, l'islam est innocenté de ça. Pareil, comme Alléluia n'a pas qui a fait avec 10 ans de Youssouf alayhis salam. On comprend? L'islam n'a pas qui a fait avec ça. Pareil, comme Alléluia n'a pas qui a fait avec 10 ans de Youssouf alayhis salam. Sa qualité là, l'islam est innocent.
Alors c'est une petite chose, pas l'islam condamné. Qui nous peut dire pour parler de petite chose? Qui nous peut dire pour une action qui peut s'intéresser? Qui nous peut dire pour une parole qui peut s'intéresser? Qui nous peut dire pour un comportement qui peut faire croire l'islam? Ça c'est une religion qui n'a pas oublié la prise. Alors ce qu'on islam, c'est qu'un animal, les terrer, ces hommes, des tyrans. Terrer, qu'il soit verbal, qu'il soit physique, peu importe dans quelle façon il vit. C'est tyran, c'est un tyran, ce homme, ça va le faire. C'est pas un musulman, ce homme, ça. C'est pas un musulman, ce homme. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à Moussa alayhi salam, Fama amana li Moussa illa dhurriyatum min qawmihi ala khawfin min fir'aun. Alors, quand on fait une Pharaon, il n'y a personne qui a fait un iman de Moussa, excepté certains descendants des sous-peuples, avec la frayeur pour Pharaon. Tu peux pire Pharaon. Qui est-ce qui te fait servir la frayeur? Un tyran. Qui est-ce qui te tyran? Comme un Pharaon. Alors, c'est pas ressembler toi, pas faire ressembler à Ali. Pas faire toi, ressembler à Pharaon. La paix, c'est un pour un plus grand cadeau pour un mu'min dans un khirat. La paix, ça, la paix d'Ounia. Et nous pouvons viser l'autre la paix là aussi, nous aussi. Et comment nous pouvons gagner la paix à l'akhirat? Faudrait Allah fin de nous la paix de l'unia. Faudrait nous pas nous dire à cause de la minti paix. Ou soit à cause de la bouteille de 0.5 ml. L'era nous pouvons gagner la paix dans l'akhirat, en islam et sans islam. Parce qu'une fois qu'Allah enlève la paix, dis-moi, on va dîner. Dis-moi, on va se dîner. Dis-moi, on enlève le hijab, le djibab, c'était. Dis-moi, on rase la barbe, c'était. Une fois qu'il a paix, c'est hérité, allez. Alors nous pouvons nous dire, nous pouvons bien dire ici et nous pouvons bien dire là-bas aussi. Nous pouvons bien dire ici et nous pouvons bien dire là-bas. Alors faire des sortes, en tant que musulman, mauricien, peut vivre dans une minorité islamique, parmi autant de bonnes religions, montrez-moi là comment l'islam fait lancer nous pour vivre en paix, en sécurité. Ton respect, mon religion, mon respect pour toi. Ton respect, mon religion, mon respect pour toi. Maintenant pour toi, maintenant pour moi. Nous vivons en paix. Nous vivons en sécurité dans le fréquence. C'est un problème à l'enseignement fondamental de l'Indien. La paix, c'est un grand favori dans l'akhirat. Nous n'avons pas pour Zuali si nous n'avons pas fini à la paix dans l'Union. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Al-Ladina amanu. Walam yalbisu imanahum bidhulm. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Et bien, nous l'avons dit, ça a été dans l'Union et l'akhirat aussi. Al-Ladina amanu. Al-Ladina amanu. Bankina iman, amen iman, comment Allah dit à nous, amen. Comporte-toi, comment bien comporter dans un moment difficile, dans un moment que tu n'as pas qui touche la communauté. Retourne vers ton iman, retourne vers ton enseignement. Alladina amanu, walam yalbisu imanahum bidhulm. Et je n'ai pas fait mélange à iman avec dhulm, avec l'injustice dans toutes ses formes, et si elle touche, ou là, il y a l'homme. Sabanan pour donner la paix. Écoutez bien. Sabanan pour donner la paix. Wa ulai ulai kalamul amr wa hum muhtadun. Et sabanan, c'est pas bien guidé. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit pour les jours du qiyama, man jaa bil hasanati falahu khayrun minha. C'est lui qui vient avec une bonne action. Une bonne action. Il peut gagner ce qui mérite qui ça. Wa hum min faza'in yawma'idhin aminun. Et je prends sécurité, je prends l'abri. Et ça se joue là contre la crainte. Ça se joue là les jours du Qiyama. Allah subhanahu wa ta'ala, les musulmans, la question qu'il nous pose, nous. Alors, comment nous poursuivre en faveur la paix dans nos pays? Vin ban bon esclave Allah. Vin ban bon esclave Allah, qui est un imam qui fait bonne action. Vin ban bon esclave Allah, qui est un imam et fait bonne action. Il y a Moussa, Allah peut dire, oh Moussa, akbil. Voilà, taraf inna kamina l'aminin. Qu'est-ce que Moussa? Pas besoin de payer. Comment nous sommes? Qu'est-ce avec l'islam? Qu'est-ce avec nos enseignements? N'a pas besoin de payer. Voilà, taraf inna kamina l'aminin. Je ne peux pas mettre une banque qui est en sécurité. Je ne peux pas mettre une banque qui joue à la paix. Quand nous sommes avec l'in Allah. Nous n'avons pas fait quelque chose qui est en fait Allah. Et si tu connais Allah, fais Allah subhanahu wa ta'ala en colère. Vin man bon esclave qui maintient le tawhid et reste de toute forme de chirque. Dans toute forme de chirque, ma frère, ma soeur, si nous n'avons pas continué à mener ce combat-là, nous n'avons pas intensifié nos combats contre chirque, frère en islam, un premier facteur qui fait la paix, sécurité enlevée, c'est quand nous arrêtons de combattre chirque. Nous arrêtons à mener ça la lutte contre chirque, ma frère, ma soeur. Allah subhanahu wa ta'ala attendait qu'il dise: Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum.
Allah veut dire qu'il finit faire une promesse. Il finit promettre aux croyants. Pas pour promesse ça. Pas pour promesse ça. Qui vous pouvez faire ta lettre pour violer la promesse là. Non, pas pour honorer. Allah qui promet nous. Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Ban qui finit avec l'iman parmi eux. Allah qui promet eux. Wa'amilu salihat. Et vous faites bonne action. Ban qui n'a iman et fait bonne action. Allah qui promet vous ça. Qui lui finit promet nous? La yastakhlifannahum fil ard. Nous pouvons donner eux. Nous pouvons donner eux. Al-khilafah. Nous pouvons faire un film de successeur, de gouverneur, pareil comme les titres de battre avant. Quand Allah nous donne ça, quand quand on a un iman, nous la guerre, notre chef, nous propose le tawhid et nous faisons action, Allah nous promet pour donner nous l'autorité. Allah, il promet pour donner nous l'autorité. L'autorité n'a pas pour venir dans désobéissance à Allah. L'autorité n'a pas pour venir quand il a collé Allah nous manque toutes choses. L'autorité n'a pas pour l'autorité promesse Allah n'a pas pour réaliser quand nous déclarons ce qui n'a pas ibadat ibadat. Jamais faire en islam et sans islam. Ça c'est promesse Allah. Amin iman, faire bon action. Allah pour nous l'autorité. Et les continuer les ayat pour Allah. Wa la yumakkinanna lahum dinahum. Allah renforce ce din. Allah renforce ce din. Allah vittada lahum. Wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Et ça la prière pour nous faire ressentir là. Allah pour convertir en paix, en sécurité. Quand iman, fais bon action. Amen, iman, fais bon action. Allah promet tout ça, même tout ça. Allah subhanahu wa ta'ala fin promet tout ça, même tout ça. Vin ban bon esclave qui est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, qui est loin de tout fond de couffre. Qui est loin de tout fond de couffre. Avant de nous causer, guettez sa parole là, les couffres, il n'a pas couffre ça. Avant de nous user, guettez sa parole là, les couffres, il n'a pas couffre ça. Zis, montez loin d'un plateforme, fais un peu ta base. Dis-moi, il y a un pire, c'est pas la vérité, ça met ça. Jamais tu veux dire la vérité, ça. Jamais tu veux dire l'islam, ça. Mesure nos paroles. Mesure nos actions, frère, en islam, et c'est qu'il y a l'iman. Alors, vine, ben, bon esclave, qui est reconnaissant, qui est loin de toute forme de couffre. Allah dit, wa darab Allahu mathalan, qaryatan kanat aminatan mutma'innatan. Allah dit, Allah vous donne l'exemple d'un cité avant, qui est un peu juif à la paix. Tranquillité, qui vient arriver? Yatiha rizkoha rahada. Je te fais gagner cette nourriture. Et à l'exité, ma ayat Quran, que t'as là pour la sécurité, il cause la nourriture ensemble avec ça. Parce que un problème qui cause, qui dit moun, est privé de ça, après qu'il a sécurité et la paix, hein, c'est la famille. La, manque de nourriture, manque de médicaments, allez lire l'histoire. Et là, il y a quelque chose, la réalité, pétez-moi ce que nous veut dire. Allah dit, tu peux gagner, souris, ramadan, souris, tu peux venir en abondance partout, mais tout le monde. Et puis, tout place, tu peux venir. Et puis, la mer, là, au port, tu peux venir. Dans cet endroit-là. Ensuite, qu'il a vu, fakafarat bi anhumillah. Je finis faire ouf avec faveur Allah. Je ne finis pas être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Qui Allah finit faire? فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. Allah finit faire tout, mettre partout la famine et la frayeur. Allahu Akbar. Dans nos livres, à la nos religions, à la nos enseignements aux musulmans, et ben qui peut écouter nous parmi les non-musulmans. Ça nous dit, l'islam les prône la paix, les invite pour établir la paix, les invite pour vivre en sécurité si à tout le contexte qu'il nous fait vivre, nos robes, nos créateurs. Depuis là où ce trône fait une promesse, nos frères en islam, les seigneurs et l'animal, si nous pour reconnaissance envers lui, il peut donner nous la paix, il peut donner nous sécurité. Si nous n'avons pas reconnaissance envers lui, il peut enlever la paix. Et ensemble avec la paix, il peut enlever tout notre faveur. Commencez par la nourriture. Commencez par la nourriture, mon frère et ma soeur. Alors voilà l'islam. Alors, vin, bon esclave qui honore la loi Allah. La loi Allah pour Allah, ça. Pas mon hérité avec mon papa, mon dada, ça. La loi Allah, c'est pour Allah. Honore la loi Allah. On n'a pas dit honore la loi Allah. Ce conséquence est très grave. Ce conséquence est très grave. Des prophètes, alayhi salatu wassalam, dire ban qui veut chef pour faire jugement, basant le livre d'Allah, et je pour choisir dans ce qui Allah vient révéler. Allah lance une souffrance en ban la même. Ban qui veut chef, pas pour faire jugement,
basant nos livres à Allah, et pour choisir dans ce que Allah vient révéler, alors Allah nous lance souffrance en bas la main. Arrête d'user. Arrête d'user pour livre à Allah. Zise par vos passions. Laisse-vous dominer par vos passions. Laisse-vous dominer par vos émotions. Zise par vos émotions. Zise par vos passions. Nous avons traité Allah en livre à la salle de la vie. Parce que Allah se rassoule, Pédien. Allah son Rasoul peut promettre Allah de dire ben, qu'il n'a pas usé d'après le Coran, n'a pas usé d'après Allah ce livre. Je dis d'après cette passion, cette envie, ce désir, Allah lance problème entre nos souffrances. Nous devons encore subhanahu wa ta'ala protection à Frère. Alors ça c'est un rappel concernant Fabi et la paix. Un Fabi qui peut-être ne pas réalise sur l'importance qu'Allah subhanahu wa ta'ala casse nos sommeils. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous prendre compte bien qui dit sa famille là. Sa famille qui appelle la vie, vivre en sécurité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous et nos générations. Et les générations qui viennent appeler frère en islam dans sa pays là, dans sa endroit là. Alors je suis à la paix, alors jusqu'à ce 20e moment, ce 20e seconde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les réserve plus grand la paix, plus grand tranquillité pour nous les jours du Qiyamah, dans le Qabar et aussi bien dans l'Akhirat. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala dua. Qui les garde-nous en paix, les garde-nous en sécurité. Dans nos pays, nos bas musulmans mauriciens, les garde-nous en paix, les garde-nous en sécurité. Et nous tous, en peine, nous bloquons ensemble, bas frères et bas sœurs, individuellement et collectivement, pour qu'ils nous fassent la paix, sécurité, régner dans nos pays. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala pour enlever la frayeur et la famine et la maladie et la misère. Non! Quand fin est la paix fin enlevée. Quand man dimoun n'est plus vu à sa paix là, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala. Qui facilite la vie de nos frères dans la Palestine, dans l'Irak, dans le Yémen, dans tout point du monde, dans l'Inde, dans le Pakistan, dans tout point du monde, frère en islam, que Allah reste ça, sa famille qui appelle la paix, qui appelle tranquillité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait un retour vers l'islam authentique, l'islam de Rasulullah alayhi salatu wa salam, qui parle du Coran et Sunnah authentique de ce Rasul, et lui fait nous tient les sons. Et ce qui fait arriver là, et nous n'a pas commis même bêtise, qui m'a fait commettre ma frère et ma soeur. Alors nous retournons vers Tawhid, nous retournons vers l'islam, nous retournons vers Sunnah. Le Rasulullah alayhi salatu wassalam, Allahu Rabbul Alameen, il fait promettre ma frère et ma soeur, vous maintenez à la paix, si nous maintenez le Tawhid. Il fait promettre vous maintenez à la paix et sécurité de nous, si nous maintenez le Sunnah, le la loi, Allah et son Rasul Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.